Lors de cette 21e journée, un affrontement fut bouillon, même il fut très bouillant avec le Bastia PSG, avec 3 cartons rouges distribués au total. Un pour Cavani, qui a marqué à la 52e, qui va se restaurer 3 minutes plus tard. Les cas sur ce mauvais dégagement qui empêche le ballon d'aller dans le but, qui le sort de la main en dehors de la surface de réparation. Est-ce qu'il a tiré pour ce mauvais tacle? Le PSG l'emporte pour le même 0, dans des conditions difficiles sur le rebond. C'était un match à part. Bon, voilà. C'est pas ce qu'on espère. L'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims n'ont pas pu se départager dans ce match décisif du maintien. Reims reste à hauteur de la zone rouge. Lyon reste 15e avec 36 points. Le TFC s'impose face à Metz. Metz qui subit sa deuxième défaite à domicile cette saison. Le seul but inscrit par Dragos Rigor à la 29e. Dans ce match aussi à distance pour le maintien, Nice Saint-Etienne n'ont pas su mieux faire que le 0-0. Il y a eu des occasions pour l'AS Saint-Etienne sans pour autant parvenir à les convertir. Les deux équipes restent dans la zone de relégation. Un match entre le 4e et le 5e toujours si tendu, il était très légèrement tendu. 0-0 au score final, le Stade Malherbe de Caen reste 4e, Sochaux reste 5e. Le FC Lorient et le Racing Club de Lens n'ont pas pu se départager aussi. 0-0. Lorient reste 11e. Le RC Lens est toujours dans la première moitié de classement. Nice s'est incliné contre une équipe plus forte, l'AS Ajaccio, grâce à un triplé de Cavani, l'homme fort de l'AS Ajaccio, qui inscrit son 6e, 7e et 8e but. L'AS Ajaccio est désormais 2e du classement. Le Stade Malherbe de Caen occupe toujours la 4e place à cause d'une défaite contre les Valenciennois de l'Hôtel-Dieu à la 10e qui va se faire exclure 2 minutes plus tard. Valenciennes se le prend en 10. Puis un 9, c'est cette session de Pento pour ce crochetage hors de la surface de réparation. Valenciennes est à 9, mais il va quand même réussir à marquer contre 11 Canets grâce à un but de Rida Puepon et Younous Abdelhamid. Valenciennes est toujours premier. Nantes 3, Lorient 1, telle est l'info de cette journée. Une défaite, et pas pour autant conséquente. Monaco, Guingamp, but à 0, grâce à un but de Bernardo Silva, à la 4e. Everton, Longaillard, Lille, 0-0. Et enfin, Guingamp bat Toulouse en clôture, grâce à un but de Gyrès, à la 26e. Un total de 16 buts inscrits lors de cette 21e journée, avec aucune victoire à domicile, une première en Ligue 1. Avec plusieurs victoires à l'extérieur. Au classement, si Valenciennes occupe la première place, c'est dû à la défaite de Metz qui n'est plus deuxième pour la première fois depuis janvier. Sochaux risque de lâcher prise. L'Olympique Lyonnais parle en position de 15e, Nice 19e, Saint-Étienne, dernier du championnat. En ouverture de la 22e journée, vendredi 16 juin à 20h30, PSG Lorient, le samedi à 17h, Metz Saint-Étienne, le samedi à 21h, 5 matchs. Le dimanche à 14h, Valenciennes-Nantes. Le samedi, Sochaux, RC Lens. Et à 21h, Guingamp, Sporting Club de Bastia.